Donc de retour, je vais juste prendre mon pain. Ça a avancé, ça a avancé. Ah, toi j'en ai besoin, je veux montrer ça. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Donc, je suis allé dans le Nether, assez bien placé. Franchement, assez bien placé. Bon, pas de forteresse, ça m'est un peu égal. Moi, je suis pas trop potion et tout de toute façon. En revanche, il y avait beaucoup de glowstone assez proche. C'était un coin un peu isolé, c'était cool. J'en ai donc profité pour faire le circuit en redstone. Alors, franchement, rien de compliqué. Donc, simplement le circuit pour faire le on-off. Donc, ça part de là. Bien entendu, c'est des choses qu'on va camoufler, hein, je vous rassure. Je vais vous montrer rapidement par contre ce que ça donne au final. Donc il n'est pas très gourmand, hein, c'est juste un petit peu de fil de redstone, c'est tout. Donc depuis là, c'est le contrôle pour l'allumer ou pas. Donc tout ça, ça peut être camouflé très facilement vu que le sol est déjà très bas. Donc là, il est réglé sous on. Donc le donjon à l'intérieur, je vais renlever les torches par contre. Attendez voir, je vais enlever ça parce que sinon ça spawnait trop et c'était la merde. Voilà, donc là il est sous pas spawnable quoi, donc il y a quelques, je crois il y a à peu près 9, c'est pas symétrique mais c'est pas grave, on n'y verra pas. Donc voilà, là c'est il est en mode donc lumière quoi, hein, pas de mob, donc c'est vraiment rien de compliqué hein, sincèrement, c'est juste des fils qui passent sur des lampes, c'est tout, point barre. Donc voilà, ça donc faudra y cacher, bien entendu, on a le temps, hein. C'est comme pour ça, faudra qu'on regarde après, mais ça je pense y faire en créatif, j'ai pas envie de vous emmerder, j'ai pas envie de vous emmerder avec de la déco pour le moment, donc voilà, ici on a simplement le contrôle global de la chose, donc là normalement il est en mode, de toute façon je crois que j'étais en peaceful, donc voilà, là il est en mode marche, quand c'est en bas, voilà. Et puis là voilà, donc nickel. On va aller explorer le mineshaft en dessous. J'avais envie d'aller voir, je suis pas allé. Je voulais le garder qu'on y aille, qu'on aille voir ça ensemble. Donc je vais prendre ça, je vais prendre ma smith tant qu'à faire. Même si c'est pas le top, j'aurais préféré avoir autre chose. Mais maintenant qu'on a les villageois, faudra surtout que je les fasse se reproduire pour qu'on essaye d'obtenir quelque chose d'un petit peu mieux. Obtenir des épées en diam et tout, ouais, ça ce serait trop, ça serait vraiment trop cool. Contre une dizaine d'émeraudes. La maison, je continuerai ça plus tard. Pas se presser non plus. Le portail, si je dis pas de conneries, est là. Voilà, il est là. Je l'ai écarté un petit peu, pas que qu'on entende trop. Donc c'était pour moi essentiel. Et il est là-bas. On va aller voir ça. Ce que ça donne rapido. Il faudra surtout que je commence à éclairer après. Alors, on y va. On va descendre voir ce que ça donne. Oh putain, il y a déjà du monde. Aïe. Ouh, je vois rien. Oh, je l'ai vu. S'il passe sa tête. Alors c'est assez grand. Aïe, ok, on va contourner. Pas d'autre moyen. Je vais surtout vous éclairer tout ça. Ça grouille de mobs, hein, j'entends ça, c'est atroce. Ah non! Tu reviens là. Rapidement comme ça, en plus ça me permet d'éclairer. Alors tu tombes. C'est réglé. Oh putain, et sans déconner, il devait y avoir un donjon là où je sais pas. Oh putain, tous les mobs qu'il y a. Atroce. Ok. J'aurais franchement. Ok, au moins on est tout en haut, ça me rassure. Il y a un donjon peut-être, je sais pas. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Allez hop, en bas. En bas aussi. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Voilà, tu fous
quand alors? Oh là là. Mais d'où ils viennent tous ces mobs? Ça vient pas d'en dessous, c'est ça qui est bizarre. Pense que ça vient de par là. Si y a un autre donjon, ça pourrait être cool, bien que inutile. Écoutez, je vais chercher. Non, là, c'est pas possible, il y a un donjon, c'est. Je vais passer devant, je pense. En dessus, on dirait. J'entends des portes, c'est quoi ce bordel? Hein? Ah oui, d'accord. D'accord. Carrément. Ah, il y a une maison juste en dessus, c'est pour ça. D'accord. Voilà, c'est réglé. Et il y a la maison des villageois juste en dessous, c'est pour ça. Hop. Ah bah tout de suite ça paraît plus calme. On va faire peut-être un épisode un tout petit peu plus long. Juste histoire là déjà d'éclairer. Encore que. Pas nécessairement plus besoin que ça. Hein. Parce que comme je l'ai dit, moi je veux qu'on commence à éclairer pour le spawner, ça fera que du bien. On va juste passer un coup de l'autre côté là. Hop, ensuite faudra qu'on aille regarder un petit peu en bas ce que ça donne. Au niveau de ce mineshaft. Hop là, donc le mineshaft est là. On va descendre juste en dessous. Check, on descend par là. Voilà, hop. Genre, je veux quand même éclairer comme il faut en cours. Surtout dans des cavernes comme ça. Je dis ça parce que je suis mort dans les épisodes que je vous avais tournés. J'étais mort à cause d'une pluie de creepers d'un coup. On peut le dire, c'était vraiment une pluie. Il y en a 4 comme ça d'un coup qui tombent de je sais pas où. Je suis mort, j'ai failli perdre le diamant, la table d'enchantement, la pioche. Je revenais avec tout justement. Donc si on pouvait partir de maintenant. Éviter ce genre de conneries, moi ça. Juste un tout petit peu plus loin. Voilà. Je ferais mieux de la boucher, je pense. Complètement bugué les sources de lave. Du coup, là, elle nous a fait quoi comme merdier encore? D'accord. C'est bon, là, c'est fini. Nickel. Voilà. Donc là, c'est pas trop mal. Ah, un coffre. On va aller voir ce qu'il y a dedans. Enfin bon, un coffre à cette hauteur, c'est jamais super rare. Ce que je disais, là, vous voyez, il y a des zombies là-haut, visiblement. On va juste aller voir un petit coup. Rien de bien méchant, je pense, mais juste m'en assurer. J'aime pas quand ça découpe comme ça les cavernes.
Là, on va couper ça. Tac. Cette fois-ci, on sécurise un petit peu plus. On y va. Alors là, c'est éclairé, c'est cool. Juste commencer à éclairer un petit peu là. Hop. Oups. Oh merde, le mineshaft est très très haut par contre. Ça c'est bien dommage. Mais ça reste en mineshaft quand même. Très très haut vraiment. Trop trop. On va attendre qu'ils viennent, comme ça on va aller voir le coffre, pas qu'on l'oublie. J'ai arrivé. Et ah, dis donc, c'est vraiment de la merde. Par là, qu'est-ce qu'on... Ah, c'est rien du tout. Allez. Voilà. Tu. Descend un petit peu plus bas, visiblement. Voilà. Tout ce qui est minerai, je repasserai peut-être pour chercher plus tard. Hein. Il n'y a pas le feu pour le moment. Hein. Surtout pour du fer. Ah. Hop, du fer et du charbon, c'est pas plus pressant que ça. Il m'en reste quand même un peu. On a le temps. Par contre, j'ai plus de torches. Juste prendre un petit peu de bois. C'est ça qui coule avec les mineshafts. Oh merde. J'aurais une hache, c'est ça que j'aurais dû penser à prendre. Surtout, faut en prendre 6, ça fera 6. Enfin, c'est bon, ce sera assez. Comme ça c'est cool, on aura bien avancé. Moi je pourrais aussi avancer sur la maison moi. Donc ça c'est cool aussi comme ça moi je pourrais faire ça de mon côté. Tous comme ça. 44 torches, nickel. Les rails, il faudra aussi que je pense à les prendre, hein, ça peut toujours servir. Il m'a looté son arc. C'est un arc complètement pourri. Ah, dis donc, jamais eu de double escalier comme ça. En fait, il est pas si pourri que ça. Hein. J'ai jamais eu un mineshaft aussi bien généré. Ah merde, j'avais deux sacs de torches, je viens de voir. Oh, quel con. Oh merde. Je suis vraiment con, moi. J'avais pas pris gaffe. Pas mal. On va manger un petit coup. On spawn araignée bleue, ça pourrait être cool. Au moins, on saurait qu'il y en a un là. Ah, un coffre. Je vais voir par là. Rien. Allez, du diamant. Ah, hey, un petit diamant, ça j'ai déjà. Il n'y a pas besoin pour le moment. Hop là, un diamant, ça fait plaisir. Oh, il est très bien généré pour une fois. Encore un coffre, putain. Je pense qu'il doit y avoir deux mineshafts en un, là, parce qu'il est vraiment... Vraiment très très bien généré. Ça c'est vraiment chouette. Et
trucs à faire. Ça aussi, j'ai déjà. Il doit y avoir un truc là derrière. Ok, et puis après ça part sur la grotte. Donc écoutez ça, je pense que là on va pas tarder à arriver au bout. De rester quand même un petit moment, je vais essayer de faire 3 fois un quart d'heure. Mais là il aura été vraiment pas mal niveau exploration, bien que bon. Je suis pas. J'étais surtout venu comme ça pour voir un peu ce qu'il en était, mais ça semble être une assez bonne grotte, donc c'est intéressant de la visiter plus tard. Très bien généreux de Casmanchaf, ça fait plaisir. J'ai jamais été très gâté, moi, en général, avec les mineshafts, mais là, ça fait vraiment plaisir. Ah, attendez, je vais juste creuser. Bon, bah, l'eau, ça devient un petit peu chiant, là. C'est bon, là? Putain, il y a quoi en dessous? D'accord, on va pas insister. Et là, ça continue encore. Là, on a la couche 46. Le mineshaft en bas est assez bas. Mais ce sera en tout cas pas pour cette fois. Là, on va remonter par là. Qu'est-ce qu'il y a? Une grotte comme je ne les aime pas. Je suis complètement perdu. On va sûrement remonter à la verticale à partir de là. Hop. Le meilleur moyen, je pense. De toute façon, il n'y a aucun risque de monter à la verticale, hein, quand on connaît un petit peu le coup de torche. Hop. Et puis c'est bon. Prochaine fois, j'essaierai d'avoir bien avancé. Surtout au niveau de la maison. Ah, déjà en haut. Et on est juste à côté du village. C'est top, on va retourner à la maison. Je me fais courser par plein de machins. Je crois que c'est celle-là. Ah, j'ai calmé l'autre. Nickel, hop, c'est bien celle-là. On va dedans. On va dormir. Hop là, et puis voilà. Bien que je pourrais vite faire un petit enchantement sur un arc, faudrait juste Infinity ou même Power 1, ça suffirait, on peut vite faire ça. Ouais, comme ça, voilà. De toute façon, maintenant on aura le donjon pour les levels, ce sera beaucoup mieux. 5, tac, Power 1, c'est suffisant, c'est bon. Donc voilà, écoutez, c'est la fin de ce 4, 5, 6e épisode, si je dis pas de conneries. Je crois bien que c'est ça. Donc bon, écoutez, j'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Tube, c'était tout. À bientôt.